Un séisme de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter a frappé mardi soir la ville de Baoshan, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Selon le Centre des réseaux sismiques de Chine, l'épicentre se trouve à 29 km du centre-ville de Baoshan et à plus de 340 km de Kunming, la capitale provinciale. Le séisme a été clairement ressenti dans plusieurs villes de la province. Les autorités locales ont activé une intervention d'urgence de niveau 3 et déployé des équipes de secours avec plus de 600 personnes, 137 véhicules et 30 chiens de sauvetage dans les zones touchées. 10 personnes ont été légèrement blessées dans ce tremblement de terre. 9 d'entre elles ont été traitées et autorisées à retourner chez elles, mais une personne est toujours hospitalisée. Un autre séisme de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter s'est produit mercredi à Yibin, dans la province du Sichuan. L'épicentre se trouve à environ 87 km du centre-ville de Yibin. Les autorités locales ont activé une intervention d'urgence de niveau 4 et déployé des équipes de secours. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.